για την ομάδα των Πρασίνων, το λόγο έχει για ένα λεπτό η κυρία Ντελή. Mes chers collègues, les annulations de vols par Ryanair sont une nouvelle provocation de la compagnie low cost. 400 000 passagers sont pénalisés à cause d'une mauvaise gestion de planning. Mais c'est une blague. Cette compagnie fait manifestement des passagers une variable d'ajustement. Moi, je vous le dis comme je pense. Ce n'est plus du low cost, c'est du zéro service. Face à de tels agissements, je demande à la Commission européenne que Ryanair respecte la législation européenne sur le droit des passagers, mais qu'il faut également envisager des sanctions. Parce que ça ne va pas s'arrêter là. Ryanair vient encore d'annoncer l'annulation de 18 000 nouveaux vols d'ici mars prochain. Cet épisode met en évidence les limites du modèle low cost, qui n'est vertueux ni pour la planète, ni pour les salariés, ni pour les consommateurs. Il est grand temps que l'Union européenne en prenne conscience et cesse d'encourager le low cost, le dumping social et les subventions dont il bénéficie. Donc, renforçons le droit des passagers, rendons-le clair, mais créons un mécanisme de sanction à l'encontre des compagnies voyous. Merci. Σας ευχαριστώ. Για την ομάδα της Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας, το λόγο έχει επίσης για ένα λεπτό η κυρία Νταμάτο. Grazie, Presidente. Sì, è uno scandalo, perché più di 21.000 voli sono stati cancellati. Milioni di passeggeri sono a terra, più che altro sono delle zone remote e delle isole. Questo